C'est quoi le gag? Il joue à se fixer dans les yeux. Ça dure depuis 10 minutes. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai gagné! J'ai gagné! C'est pas juste, j'ai été distraite. Et moi aussi, mais j'ai pas bougé. Alors je gagne. Désolée, Vanessa. Allez, on recommence. Il en est pas question, la victoire est à moi. Tucker? Je suis désolée, mais... il a raison. Ouais. Ouais. Mais gagner, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, tu sais. Ah non, comment ça, tiens? Quand tu deviens tellement obsédé par ça que tu vois plus du tout le vrai but du jeu. C'est justement le sujet de mon histoire. Imaginez un jeu auquel vous adorez jouer. Un jeu où vous êtes si bon que vous ne perdez jamais. Mais ensuite, imaginez si gagner à ce jeu voulait en fait dire perdre. Tu dis quoi? C'est une histoire où les règles sont bouleversées. Où gagner veut dire perdre, et perdre veut dire avoir la chance de recommencer à jouer jusqu'à ce qu'enfin tu gagnes ou que tu y laisses tout. Soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule L'histoire du labyrinthe laser. Karen et Ashley Fox étaient des sœurs. Des sœurs jumelles, en fait. Elles étaient en compétition dans tout ce qu'elles faisaient. Que ce soit pour les meilleures notes ou pour les plus beaux cheveux. Mais surtout, elles étaient en compétition au taekwondo. Prête? 2-1, Ashley. Watch your doggy. Il faut que tu fonces, d'accord? Prête? Et battez-vous! Point, Kara. Montons, Kuregi. 2-2. Le prochain point gagne. Prête? Et battez-vous! Break! Bon, Jiggy. Victoire, Ashley. Kelly Ogrundi, vous devez vous saluer. Kelly Ogrundi, vous devez vous saluer, montrer du respect. Est-ce que t'es mauvaise perdante? Bah toi, t'es une mauvaise gagnante. Hé, ne sois pas fâchée parce que je suis meilleure que toi. Ce que je suis, en fait, 5 fois de suite, je te remercie beaucoup. Tu vois? Je savais que tu dirais ça. Les filles, s'il vous plaît. Vous ne devez pas tout le temps vous préoccuper de gagner ou de perdre. C'est le principe de la roue qui tourne. Et la roue finit par faire le tour. Vous êtes des sœurs. Vous devez savoir, hop, Joe. C'est travailler ensemble, vous aider l'une l'autre. Je me rappelle, mon grand-père affirmait, s'il n'y a pas de hop, Joe, il n'y a aucune victoire. Il n'y aura pas de victoire pour toi, un point, c'est tout, Kara. Pas quand je suis là. Oh, t'es tellement mauvaise joueuse. Moi? C'est toi qui t'es sur les fesses. Ouais, ben la prochaine fois, c'est toi qui vas tomber. Tu rêves. Pardonnez-moi, les filles. Vous étiez brillantes. Un tel esprit de combat, une telle énergie féroce. J'ai adoré ça. Je ne vous ai pas vu dans la salle. Oh, mais je vous ai vu, moi. Chaque superbe mouvement. Yeah, yeah. Je m'appelle Drake. Et vous êtes? Ashley Fox. Kara Fox. Oh, des sœurs en plus. Jumelles, je parie? Oui, on n'a pas eu le choix. Super! J'ai une occasion unique pour toutes les deux. Quel genre d'occasion? Ma compagnie est le plus gros manufacturier de jeux d'aventure dans le monde. Non, dans l'univers. C'est cool. On expérimente un tout nouveau jeu stupéfiant. On est à la recherche d'excellentes joueuses comme vous pour aller de l'avant. Quel genre de jeu? Oh, c'est la compétition suprême. Il faut de la vitesse, de l'agilité et beaucoup de courage. Mais je dois vous avertir, c'est seulement pour les meilleurs des meilleurs.
Je te laisse ivrer. Je te souhaite bonne chance. Super! Alors préparez-vous, mademoiselle, pour le défi de votre vie. T'as mal lu l'adresse. C'est sûrement pas ici. C'est la bonne adresse. Regarde, le laser Biren 153. Rue Terminale. Je suis content de vous voir. Avez-vous l'esprit au combat? Êtes-vous prête à conquérir le monde? Toujours. Super! Suivez-moi. Arrête, tu veux. T'es vraiment stupide. Hé! Où sont tous les autres? Nous sommes très sélectifs pour ce qui est des gens qui vont effectuer les tests. Vous êtes les deux seuls aujourd'hui? Dis, ça se peut. C'est tout à fait logique. Vous avez déjà joué à chat laser, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous à franchir une autre étape. Vous allez pénétrer dans le laser pirate. Ça a l'air commun, selon moi. Croyez-moi, il n'y a rien de commun dans ce jeu-là. Le bouton sur votre veste déclenche le laser sur vos lunettes. Le laser provient de vos lunettes. Vous visez par le regard. C'est cool. Super. Dirigez le laser sur la veste de votre adversaire. La première à avoir 3 touches est la gagnante. C'est tout? C'est tout. Alors, vous y êtes? Moi, je suis prête. Et moi, je suis née prête. Alors que le jeu commence! Ne vous laissez pas distraire par ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Ça fait partie du jeu. Le laser pirate est en action! Et... au jeu! Coordination main-pieu, vitesse, agilité, précision. Superbe, les filles. Prochain point gagne! Oh, vos chiffres sont super, les filles. Je pense que vous conviendrez parfaitement. Victoire. J'ai trouvé ça cool, mais où est Ashley? Ça fait partie du jeu. Elle sera de retour pour le deuxième round. Le deuxième round? Bien sûr. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions. Ça fait partie du processus d'expérimentation.
On aimerait que vous répondiez à quelques questions à propos du jeu. Vous voyez, les choses comme la précision des lunettes et le plan du labyrinthe. Ça nous aiderait à faire le meilleur jeu possible. D'accord, j'essaierai. Parfait, je reviens quand vous aurez terminé. Où est Ashley? Elle remplit les mêmes papiers. On ne voudrait pas que vous compariez vos notes, vous comprenez? Kara, unité alpha. Ashley, unité bêta. Traitement de données complété, prêt pour le test, mais qu'est-ce que... Déjà terminé? Oui. Et je veux partir. Où est Ashley? Je vous l'ai dit, elle va revenir. Oubliez ça, je la trouverai moi-même. Ashley? On passe au deuxième round. Où est-ce que t'étais passé? J'ai dit, on passe au deuxième round. J'ai plus envie de jouer à ça, moi. C'est débile comme endroit. Moi, je veux jouer. Ouais, ben sans moi, alors. Qu'est-ce qui te prend? T'as peur de perdre? Ah. Je viens de te battre, tu te rappelles? C'était de la chance. De la chance? De la chance? Je t'ai battue parce que j'étais meilleure que toi, et ça, je peux le refaire. Alors prouve-le. Le laser virante est en action! Et au jeu! Je suis Ashley. Métatron, numéro 1. Tout système, hors d'usage. Oh, pas encore! Des pièces défectueuses. Ils ne vont pas aimer ça. Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez fait, Ashley? Ah oui, peut-être que j'aurai plus de chance avec les autres. Quels autres? Et c'est un départ! Au travail! Continuez à jouer, mesdemoiselles! Est terminé. Copie de moi.
Eh bien, avance, avance. Les pétatrons. Drake. Alors, comment vous sentez-vous? Relâchez-nous. Après tout le temps que j'ai passé à vous trouver, je ne crois pas, non? Qu'est-ce que vous nous faites? Du clonage de Bétatron, trésor, qu'est-ce que tu crois, hein? Accélère le pas, tu veux? D'où je viens, le laserbirinthe est le jeu le plus populaire. Malheureusement, mes concitoyens ne sont pas très doués. Ils manquent d'agilité, si on peut dire. Alors, je leur fournis les joueurs. C'est très amusant et ils me payent une fortune. Mais vous faites mal à Ashley. Oui, quel dommage. Je dois cloner le plus de Bétatron possible avant que l'unité Alpha ne me... ne s'épuise. Et c'est moi ensuite? Vous êtes les meilleures unités Alpha que j'ai jamais vues. Je pourrais sans doute avoir... Drake, vous nous avez escroqués. Quoi? Mais comment ça? Vous avez créé des Bétatrons de moindre qualité. De moindre quoi? Non, il se peut qu'ils aient besoin d'ajustements ici et là. Nous rejetons vos unités Bétatron Ashley, Drake, et nous exigeons le remboursement de vos honoraires. Remboursement? L'argent est dépensé. Comment j'aurais payé toutes ces installations? Montez dans le transporteur, Drake. Non. Je veux dire... Je peux sûrement faire quelque chose. Vous pouvez retourner et nous rendre des comptes. Non. Je n'irai pas. Je refuse. Alors envoyez-nous. Quoi? Mais oui. Pourquoi envoyer les clones quand vous avez en main les originales? Vous voulez dire que vous iriez? Vous joueriez pour eux? C'est sûrement mieux que de rester ici à se faire cloner, non? Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Les jumelles de la terreur! De féroces compétitrices qui ne vivent que pour humilier l'autre! Avec leur force supérieure, leur vitesse et leur agilité, ces deux filles-là vont certainement faire sensation! Les gens vont faire la queue à travers toute la galaxie pour voir ces deux merveilles jouer au laserbirinthe! Et par-dessus le marché, ce sont les originales, hein? Envoyez les filles tout de suite! Ou revenez nous faire face. Donnez-lui un coup de main. Dépêchez-vous. Elle ira bien dans quelques secondes. N'est pas restée là très longtemps. Yupcho. Ah oui? Hé, les filles, pas de secret. Soyez de bonnes unités Alpha et grimpez dans le transporteur. Allez! J'ai une meilleure idée. Non, je leur ai vendu cette idée. On ne doit pas les mettre en colère. Kaio! Ça va? Oui. Toi? Oui. Je veux m'en aller d'ici au plus vite. Oui, allons-nous-en. Attention! Je crois que j'aime bien être dans la même équipe. La sortie est juste là. Salut les trésors! Prête à jouer avec moi maintenant? Comment il est revenu? Super! Qu'est-ce qu'on fait? Yupcho, il faut qu'on trouve une paire de lunettes. Vas-y! Drake? Hé, Drake, allons-y, jouons! Inutile de crier. Je t'ai entendu.
ça. Kara, s'il nous attaque trois fois, on retourne au clonage. À moins qu'on le touche en premier. Tu crois que ça fonctionne sur lui? J'espère. Bikyu Chaji! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Drake Bétatron, numéro 4. C'est un Bétatron. Un Bétatron un peu déglingué. J'ai été programmé à 604. Eh bien, je crois que la roue a complété son tour, hein? Ouais, et on dirait qu'elle l'a écrasé au passage. Je suis désolée de t'avoir manqué de respect. Je t'en prie, c'est moi qui devrais être désolée. Merci de m'avoir sauvée. Kyungi. La fin. C'est cool. Wow. Génial. À partir d'aujourd'hui, je vais apprendre le taekwondo. Oh! Je veux une revanche. Quand tu veux. Tout de suite. Écoutez, il faut qu'on rentre. Le chemin du retour risque d'être long.